Nous en sommes maintenant rendus à la catégorie Entreprise de services à la personne, parrainée par Hydro-Québec. Pour dévoiler le lauréat, j'invite M. Jean-Yves Turgeon, chef relève de compteur à la direction mesurage et relève chez Hydro-Québec. Assurantia Groupe Tardy est une entreprise en pleine effervescence dont le siège social est à Thetford Mines. Avec ses 5 succursales de Disraeli, Adstock, Saint-Georges-de-Beauce, La Guadeloupe et Sherbrooke, l'entreprise se distingue par la diversité de ses produits et son offre adaptée. Tous les courtiers sont invités à porter une attention particulière à l'actif numéro 1 de la compagnie, le client. 3 mots d'ordre les guident: flexibilité, rapidité et efficacité. Depuis 1912, BMO Nesbitt Burns s'est constitué une réputation sans faille dans le domaine des services financiers. Elle est vue comme un des chefs de file au pays. Membre de BMO Groupe Financier, l'une des plus grandes sociétés d'Amérique du Nord, BMO Nesbitt Burns peut aider ses clients sur tous les plans de la gestion de leur patrimoine pour préserver et faire fructifier leurs avoirs. Dans la région, son équipe de 3 conseillers cumule ensemble 40 années d'expérience. Un petit coup de pouce de Serge a vu le jour en 2000. Serge Evers offre un éventail de services pour l'entretien intérieur et extérieur de la maison, le déneigement, la tonte de pelouse ou la taille de cèdre. Il peut s'agir d'un grand coup de main pour un déménagement ou pour l'installation et le démontage d'un garage de toile. En 8 ans seulement, ce travailleur autonome a triplé sa clientèle en débordant des frontières de la région, en plus de créer quelques emplois saisonniers. Il me fait plaisir de vous dévoiler le grand gagnant, BMO Nesbitt Burns Limited. Bien, ça vient prouver qu'on reconnaît, je pense qu'on a une bonne réputation, puis qu'on reconnaît le travail qu'on a fait, puis qu'on a une bonne notoriété dans la région. C'est important dans le domaine qu'on est. Bonsoir tout le monde, c'est moi qui ai désigné pour le groupe pour vous parler, heureux chanceux. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs de ce merveilleux gala. C'est vraiment bien fait, puis c'est prestigieux, c'est un vent nouveau pour notre région. Puis c'est félicitations à la SDE puis à la Chambre de commerce. J'aimerais aussi féliciter les nominés dans notre catégorie, Assurantia, Groupe Tardy, puis un petit coup de pouce de Serge. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre clientèle. Il y en a quelques-uns qui sont ici parmi nous ce soir pour la confiance que vous nous avez témoignée au cours des dernières années pour la gestion de votre patrimoine financier. Merci beaucoup. En 2000, la plus réputée des sociétés de placement au pays, Nesbitt Burns, approchait un groupe de 3 jeunes conseillers en placement pour servir sa clientèle et celui du groupe de sociétés de la Banque de Montréal pour le sud du Québec. Au lieu de Victoriaville, de Drummondville ou de Saint-Georges-de-Beauce, Nesbitt Burns a décidé d'ouvrir un bureau à Thetford Mines, la plus petite localité au pays dans laquelle elle a un bureau ouvert. Pour une fois que c'était des gens de la région d'ici qui allaient desservir les villes voisines. Tout un défi, puis on l'a relevé, je pense, honorablement. Depuis qu'on est chez BMO Nesbitt Burns, on s'est classé annuellement dans le premier décile sur plus de 1300 conseillers en placement au pays pour l'accroissement des actifs sous gestion. On a même terminé une certaine année 5e au pays, tout juste derrière les bureaux de Toronto. Puis on se classe régulièrement dans le premier quartile au niveau des actifs sous gestion. Donc je pense que Nesbitt Burns n'a pas regretté son choix d'investir dans la région de Thetford et d'ouvrir un bureau dans notre localité. Encore une fois, merci aux membres du jury, puis merci à notre clientèle. Bonne fin de soirée. Télé-Cogeco, exclusif au câble.